dit, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. Je suis au taquet. Ça prend clairement tout son sens quand on est en vacances. On va pas se mentir. On se retrouve en direct de la Croatie. Alors, je vous ai lancé des sondages sur Instagram pour essayer de vous faire deviner où est-ce qu'on était. Et à la majorité, vous pensiez qu'on était en Corse. Et c'est vrai que les paysages, des fois, ils ressemblent pas mal du tout. Mais non, nous sommes en Croatie. C'est la première fois que nous découvrons ce pays. Et franchement, mais c'est à couper le souffle. Et on s'est dit, allez, on partage un peu de ça avec vous et on vous emmène dans un 24 heures avec nous. Dans cette vidéo, on va faire plein de choses ensemble. Vous allez nous suivre dans ce 24 heures. C'est une journée très spéciale. Ah oui, parce que j'ai oublié un détail. Il y a ma mère. Voilà. On a emmené ma mère en vacances avec nous. Ne me posez pas de questions sur ce choix. Elle est là. Voilà, c'est fait, c'est acté. Donc du coup, je disais journée spéciale parce que justement, ma maman n'est au courant de rien. C'est une journée 100% surprise pour elle. On en profitera aussi pour vous faire découvrir cette maison qui est absolument dingue. Bref, ça va être une vidéo qui va partir dans tous les sens, mais une vidéo qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Ça va, mon Nénon ? Oui. Ah oui, j'ai le cou bloqué. Voilà, on est pas mal du tout. Loulou est réveillé, Mathis s'est réveillé, belle maman, enfin maman se prépare. On commence la journée. J'essaye de caler la cam pour vous faire un plan de cette robe que j'adore. C'est une fille que j'ai rencontrée sur Insta, ma chic boutique. C'est une jeune entrepreneuse que j'avais envie d'aider, du coup bah, je lui ai fait comme ça des petites stories sur Instagram. Et vu que je porte cette tenue aujourd'hui, et ben c'est l'occasion. Avec le bidou. Ce ne sont pas des vêtements de grossesse, je le précise. Et là, elle est hyper légère pour l'été, mais je la sens pas, j'ai l'impression d'être toute nue, c'est trop agréable. Voilà. Bon ben voilà, on y va. Maman, t'es pressée de savoir où tu vas? Hello, good morning. Voilà. Ah, on part déjà? C'est parti. Oh, t'inquiète. Here we go. Alors, qu'y a-t-il en bas? Oh, il y a la chambre pour aller dormir si on veut. Regarde, si je suis fatiguée, que je vais aller faire un petit... Oh là là. Mais elle sait ce qu'on va faire? Il lui a grillé ou pas? Non, il a fait. Non. Fille. Ah, on peut monter. J'ai bien mamie. Oh, c'est trop bien. Mais l'eau, elle est incroyable. Préparation pour la première plongée. C'est incroyable, l'eau en fait elle est trop bonne. Mon Ninou, c'est trop beau. Ça fait tellement du bien, c'est ces vacances. Ouf comme elle est turquoise l'eau. Ah, c'est dingue. Et vous savez quoi? C'est nos dernières vacances à 4, enfin à 5 avec maman, mais à 4. Bientôt il y aura bébé 3. Attends, on a fait des photos. La tête de ma mère. C'est quand tu m'as poussé, non? Très bien là. Ça sent, hein? C'est là, mon chat. Bon, on a repris la mer. Oh là là, c'est ouf, regardez comme c'est beau. Là, on est en train de longer les côtes. Donc là, on fait un tour de l'île. Ensuite, on va à la grosse surprise du jour. C'est un restaurant, c'est un des restaurants les plus réputés en Croatie. J'ai vu quelques photos, ça risque d'être vraiment incroyable. Et ma maman ne le sait pas une fois de plus. C'est plus sauvage que ce que j'avais imaginé. Tu peux bronzer, c'est ouf. On est sur des petits pilotis. Là, on a le pilotis le plus haut, donc vraiment qui surplombe toute la baie, quoi. On va kiffer. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a, Ninou? T'avais pas compris ce qu'il y avait écrit en anglais? À savoir que lui, il aime pas les huîtres. Mais s'il faut, voilà, tu vas apprécier. On est là pour goûter. Bon, vu que je suis enceinte, j'ai pas le droit. Moi, j'ai des petits feuilletés comme ça, fromage de chèvre. Bon appétit. Cette fois-ci, c'est Ninou qui est content. Et moi qui le suis beaucoup moins. Mais en vrai, t'as jamais goûté mon chat. Ah non, mais moi visuellement, c'est mort. Enfin, je vais manger les légumes et Ninou va manger mon poulpe parce qu'il adore ça. Nous, on n'a pas à manger, eux, ils mangent déjà. On est mal polis, c'est ça? Oui. On était tout là-haut. Là-haut. Bon, faut savoir que pendant ce voyage, il y a des travaux qui se font à la maison. Et là, Loïc, il est en train de nous montrer les photos de notre cuisine. Comment dire qu'on reconnaît pas la maison? Ça va être trop beau. Là, on est sur un niveau de cigale. Non, mais c'est ouf. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Là, mon amour, on est dans un cadre. Il y a les cache-pistaches, quoi. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ouais,
C'est incroyable. Il y a que nous dedans. C'est fou. C'est un peu angoissant. L'entrée, c'est là. J'ai vu en méchant. C'est fou. Oh là là, c'est trop beau. Bébé, on est seul. On est seul dans la grotte bleue. C'est trop beau. C'est incroyable, lui. Quand il pleurait. J'étais pas bien, bien. C'est toutes mes angoisses. Parce que tu dis, si l'eau elle monte, t'es dans la merde. Là, en fait, il n'y a pas de lumière. Mais c'est la grotte bleue, c'est la couleur de l'eau. Ah oui, t'as raison. Mais oui, je t'ai dit. Mais plus les sont folles. Bon, nous sommes de retour à la maison. C'est une journée absolument incroyable. Ninou est parti faire les courses pour acheter de quoi faire un barbecue ce soir. Très gentil, pense à sa petite femme qui mange plus de viande. J'adore. Alors là, on n'est pas encore dans un 24 heures complet. Donc ce que je vous propose, c'est nous, là, on va manger, on va se coucher parce qu'on est complètement éclatés. Et on se retrouve juste après pour une visite de cette maison qui est incroyable. Bonjour. Bonjour madame. On en profite comme promis pour vous faire une petite visite guidée pour continuer en beauté ce 24 heures, c'est n'est-ce parti. Pas savoir que toutes les chambres sont les mêmes. Donc on va vous en montrer une, on va pas faire toutes les visites de toutes les chambres. La vue est assez incroyable quand on rentre. La vue des chambres est... En vrai on dirait une chambre d'hôtel mon chat. Donc la salle devant avec une grande douche et en vrai ça me permet d'avoir ça à la maison pour toute une baignoire. Donc il y a 4 chambres comme ça au total. Nous allons continuer la visite et descendre à l'étage inférieur. Donc je n'ai pas encore inauguré le jacuzzi, il faut savoir que quand on est enceinte, je crois qu'à partir du troisième mois en vrai, on n'a plus le droit d'utiliser les bulles et surtout il faut éviter les bains à au-delà de 40 degrés. Donc là, celui-là, il n'est pas trop chaud, je pourrais le faire, mais sans les bulles. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand tu te mets dans ton jacuzzi... C'est pas mal. Ici, on a un petit sauna. Ah mais il est là mon maillot. Ah ben voilà. Loïc quoi. Donc voilà, l'espace spa qui est absolument oufissime. Ouais. Oh là là, cette vue. Ici, on se situe à 15 minutes à peu près de Dubrovnik. Ouais. Et donc, du coup, c'est cool parce que c'est hyper central. On a pu faire plein de choses dans les alentours. Notamment la journée d'hier qui était absolument ouf. Alors, Loïc adore les cuisines noires. Moi, perso, je trouve que ça casse toute la luminosité de la maison. Mais après, bon, on va pas se plaindre. C'est une très très belle cuisine. Pareil, elle est hyper fonctionnelle. Il y a tout ce qu'il faut pour maman ici. Ils ont fait plein pour elle. Par contre, faudrait leur dire qu'il manque du rosé du coup. Je suis éclatée aujourd'hui. Faut savoir que je me lève tous les matins depuis qu'on est ici entre 6 et 7 heures du mat. Vive les joies de la grossesse. Et de toute façon, en vacances, vous le savez, maintenant vous commencez à me connaître, je ne dors pas le matin. C'est cigale. Et ce cadre. Ah, c'est bouillant. Là, c'est la pièce bonus. C'est une pièce vraiment qui est dédiée à la piscine, qui fait bar. Télé, j'ai pas réussi à la régler. Petit baby foot, où d'ailleurs j'ai massacré Lynn il y a pas si longtemps que ça. Ah, mais là aussi, c'est ouais. Du vrai. Ça, c'est du faux, ça. Mais ça, c'est du vrai. Et donc là, on a aussi une petite cuisine d'été en fait. Ouais. Ouais, là, c'est trop beau. Donc voilà, en tout cas, écoutez, c'est les premières vacances avec le bidou. Pour le moment, ça se passe extrêmement bien. Ça me fait beaucoup de bien, là, ce repos. Juste, on va pas se mentir, la chaleur, c'est compliqué. Écoutez, franchement, on a la chance de faire ces vacances qui sont incroyables. On pensait pas pouvoir vivre ça une fois dans notre vie, en réalité. Pouvoir emmener belle-maman Loïc est absolument ravi. Bon, ça... Parce qu'en vrai, ils s'aiment d'amour secret. Là, faut pas le dire, mais... On espère que ce petit 24 heures vous a plu, vous a donné envie peut-être de découvrir la Croatie, de découvrir certains coins. Dubrovnik, c'est sincèrement, je pense, la plus belle ville que j'ai faite de ma vie. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. C'est vrai. Tout fortifié, c'est magnifique. Merci d'être de plus en plus nombreux ici ou ailleurs. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.